السلام عليكم مازول في اللون بونجور غزة سو لي بومب غزة بيلوني غزة ديشيكتي غزة مارتير ابوندوني دو توس غزة ليفري ا سي بورو بار دي اوكسيدانتو كي رامب دوفون لو سيونيزم باسكو نول شيف ديتا بارمي او نو بو اتر ايلو سين نا في اليجانس ا اسرائيل سين نا تو voire couvert ces crimes contre l'humanité. Des Occidentaux qui nous gavent de leurs principes jetables, malléables, interchangeables, démontables, adaptables selon les circonstances et les peuples. Grands principes et droits inaliénables nous clairont-ils, sauf quand il est question de cette entité monstrueuse qui a pour nom sionisme. Des dirigeants occidentaux qui ne craignent ni le ridicule, ni la colère de leur propre peuple, dont ils ne tiennent aucun compte, en fin de compte, qu'ils trompent sur la vraie nature de l'oppression du peuple palestinien, qu'ils osent qualifier de conflit d'une démocratie, nous disent-ils, contre le terrorisme, une démocratie très particulière, la plus raciste dans l'histoire de l'humanité, qui a volé tout un pays en bloc à ses occupants originels, qui les a dispersés sur les chemins amers de l'exil, qu'elle a tués, qu'elle a réduits au silence, dont elle a enfermé ceux qui ont refusé de se laisser chasser dans des bantoustans encagés. Une démocratie qui procède méthodiquement à l'extermination de populations civiles en fonction de leur appartenance. Une extermination indiscriminée qui éradique femmes, enfants, vieillards, dont n'importe quel juriste moyennement au fait du droit international vous dirait que ça s'appelle un génocide. Ces dirigeants occidentaux qui montent sur leurs grands chevaux et hurlent au terrorisme dès qu'un pétard est envoyé en rase campagne israélienne et qui ne murmurent pas la plus petite protestation quand l'armée sioniste bombarde en gros et dans le détail les populations civiles de Gaza, plus de 650 morts, vous imaginez, depuis 16 jours de carnage, dont environ 130 enfants. 9 dixièmes de ces victimes ne sont pas des combattants, mais des civils, qui sont hachés menus par famille entière. Près de 5000 blessés, dont nombreux affreusement mutilés. Signalant au passage les regrets de M. Ban Ki-moon en visite à Israël, qui s'est fendu d'une déclaration qui montre bien qui est le maître de l'ONU. Ce monsieur s'est contenté de déplorer les attaques contre les civils israéliens. Il n'a pas soufflé mot sur les centaines de morts palestiniens. Et même de surenchérir que les Israéliens ne font que persévérer dans une riposte légitime contre des attaques terroristes. C'est dire l'étendue de la compromission. Alors, essayons de faire le bilan macabre des deux parties en conflit, puisque c'est ainsi que ce génocide est officiellement désigné, y compris par l'ONU. C'est donc un conflit entre la démocratie israélienne et le terrorisme du Hamas, pour reprendre jusqu'à la prononciation hébraïque. Le bilan de ces dernières heures, côté israélien, est de 31 soldats israéliens
tué, moi je dirais de 31 terroristes israéliens, plus de 200 blessés, 8 blindés détruits, selon des sources israéliennes. Selon le Hamas, plus de 60 soldats israéliens ont été tués et des centaines d'autres blessés. La fameuse Tzahal, comme l'appellent affectueusement et familièrement les journalistes occidentaux, qui lui brossent les pompes, cette Tzahal invincible, l'armée la plus performante du monde, et patati, et j'en sens, et j'en fume, quand elle va sur le terrain, même pas au corps à corps, hein, et avec tous ses hyper-moyens, c'est une autre paire de manches. Eh oui, pas pareil, petits soldats sionistes, vous qui avez pris l'habitude d'humilier les Palestiniens qui passent par les checkpoints pour aller travailler dans leur propre terre que vous leur avez volée. Quand vous tirez à balles réelles et à hauteur de poitrine sur des jeunes Palestiniens qui vous lancent des pierres, quand vous leur brisez les os à coups de moellons, quand vous lestez vos bombes à fragmentation, à fléchettes et tous ces engins de mort sur des civils désarmés. C'est pas comme d'aller au casse-pipe. Eh non, entre une guerre par bouton et une autre sur le terrain, ça devient une question de bravoure, de conviction, de foi, en son bon droit. Donc le Hamas s'est défendu. Il a lutté pied à pied contre des blindés, contre une armée dotée de tous les moyens. Et il l'a humilié. C'est David et Goliath revisités, mais à rebours du mythe hébreu. Et comment, d'après vous, chers téléspectateurs, comment les dirigeants occidentaux appréhendent ce bilan de victimes israéliennes, d'après vous? D'abord, ils s'empressent de diligenter leurs condoléances éplorées, de se rendre à la première synagogue venue, de porter ostensiblement une belle kippa et de jouer leur pleureuse devant un mur virtuel des lamentations. Puis, alors que toutes ces victimes sont exclusivement militaires, et qu'elles ont été tuées ou blessées au combat, alors qu'elles avaient fait une incursion chez ceux qu'elles attaquaient, ces victimes, les dirigeants occidentaux traitent les combattants qui les ont neutralisés de façon loyale de terroristes. C'est pas hallucinant, ça? Des combattants qui tuent des soldats qui les attaquent sont qualifiés de terroristes par les chefs d'État des plus grandes démocraties du monde. Et l'armée, la plus performante du monde, qui tue des centaines de civils, des centaines de femmes et d'enfants, cette armée-là est torchée avec du papier soie, s'il vous plaît. On lui reconnaît le droit à la riposte contre les bébés et on lui présente des condoléances pour ses morts au combat. Comment ne pas péter un plomb, comme disent à juste raison ces jeunes maghrébins qui vivent en Occident, dont on tue les frères et auxquels on dénie même le droit de manifester leur soutien? Comment ne pas verser dans la violence? Comment ne pas succomber à l'appel d'une juste colère? Mais attendez, ce n'est pas fini. J'ai laissé le meilleur, ou plutôt le pire, pour la fin. Parce que le pire, ce n'est pas quand votre ennemi vous tombe dessus. C'est quand celui qui se dit votre frère vous poignarde dans le dos et qu'il s'étale de tout son long devant celui qui vous tue. Comme si la terrifiante force des plus grandes puissances contre le peuple palestinien ne suffisait pas à son malheur. Voilà que de ses flancs mêmes, ce pauvre peuple, parmi ces peuples dits arabes ou parmi les élus occidentaux d'origine dite arabe, se lèvent les nouveaux tueries ferrères du sionisme. En Égypte, la meute est lâchée contre le Hamas, contre les résistants palestiniens. Le point de passage de Rafah est fermé, même aux médecins du monde entier qui affluent, qui accourent pour porter secours aux Gazaouis. En Algérie, le pouvoir a interdit toute manifestation en faveur de la Palestine. C'est l'un des rares pays au monde à ne pas avoir permis à ses citoyens d'exprimer leur soutien aux Palestiniens. Même Tel Aviv a connu une manifestation contre l'agression israélienne. En Algérie, c'est non. Mais maintenant que ça devient par trop outrancier et que le régime sait qu'il ne pourra plus endiguer la colère qui gronde, alors il cherche à organiser lui-même une manif
sous son propre contrôle. Pourquoi ces précautions? Cette peur des manifs? Est-ce parce que ce régime a peur de son propre peuple? Est-ce parce qu'il a peur qu'une fois dans la rue, les jeunes ne se rappellent qu'ils attendaient l'occasion de chasser ce régime prédateur? Ou est-ce, pourquoi ne pas se poser la question, est-ce parce que la missionniste n'a pas encore donné son feu vert? En tous les cas, le pouvoir a décidé d'organiser un semblant de marche. Et devinez à qui il va en confier la gestion, parce qu'il est bien question de gestion, eh bien à deux de ses plus sûrs relais, l'UGTA de Sidi Saïd et le Parti des Travailleurs de qui vous savez. Et enfin, cerise sur le gâteau, ou plutôt petite mouche verte sur l'étron, Rachida Dati, comme elle se fait appeler, pas Rachida, hein, Rachida Dati, y va de sa partition en pondant un communiqué dans lequel elle proteste violemment que la manifestation pour la Palestine ait été autorisée à passer seulement par son arrondissement, le 7e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, Le Figaro. Rachida Dati ne veut pas de manifestation pour Gaza dans son arrondissement. France 24. La presse égyptienne soutient le raid israélien contre le Hamas. Liberté. D'autres manifestations sont prévues dans d'autres villes. Soutien à Gaza. Vers une marche populaire à Alger. Avec nous pour parler de ces questions, Sofiane Gilali, présidente de Gil Jadid, et Lila, une franco-algérienne de Paris. Mais commençons par voir ce court extrait d'une émission de France 24. S'il vous plaît. À l'origine donc de ces manifestations pro-palestiniennes, cette offensive israélienne sur la bande de Gaza, une offensive qui est critiquée, mais qui est, ça c'est assez rare pour le noter, soutenue par une partie de la presse égyptienne. Alors une partie de la presse égyptienne qui soutient très clairement Israël, alors c'est-à-dire sur notre site internet, un article très intéressant qui fait un petit tour d'horizon de certains titres de la presse égyptienne qui remercie même Benjamin Netanyahou des discours très positifs à l'égard du voisin israélien, au point que du côté d'Israël et des médias israéliens, on a même utilisé des extraits de ces discours pour expliquer que l'Égypte était un allié et qu'il soutenait la politique d'Israël. Sofiane Gilali, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, merci, bonjour à tout le monde. Allah yassalmak, merci à vous. Alors, cette peur du régime de laisser s'organiser des manifestations en faveur de la Palestine, alors que dans les pays voisins, Maroc, Tunisie, un peu partout, des manifestations fleurissent. Oui, malheureusement, le régime en Algérie s'est clairement positionné contre la volonté populaire en général, et donc, que ce soit pour Gaza, qui est quand même un ultime sacrifice, mais aussi pour tout autre mouvement, le régime ne veut pas qu'il y ait d'action de rue. C'est une évidence. Mais maintenant, vu la gravité de la situation à Gaza, vu le nombre de martyrs, il est difficile pour le régime d'argumenter en face de cette incompréhensible position. Et donc, forcément, il voudra gérer, comme vous le dites si bien, une forme de manifestation, donc une pseudo-manifestation. En réalité, nous sommes avec un pseudo-régime, un pseudo-pouvoir, un pseudo-président, et maintenant de pseudo-manifestation. On est dans le faux. Tout est dans le faux. Très bien dit. C'est très vrai. Tout est pseudo, tout est faux, effectivement. Mais sinon... Pourquoi l'opposition, notamment l'alliance que vous avez créée avec d'autres partis, pourquoi ne pas avoir forcé la main à ce régime, ne pas avoir décidé de marcher malgré l'interdiction? C'est en cours, ça va se faire vite, les quelques jours à venir. On ne pouvait pas trop l'annoncer au départ. Il y a eu des discussions internes à la CNLTD. Mais il y va de soi que Gaza et les Gazaouis ont notre entier soutien, notre entier soutien. Nous sommes profondément choqués par ce qui se passe. Nous sommes choqués par le silence
en général des pays, mais surtout de la position des pays arabes, c'est un malheur sur les Gazaouis. Nous n'avons pas vraiment de grandes possibilités de les aider, il faut être clair, mais il faut le dire très haut et très fort. C'est une situation que nous refusons catégoriquement et qu'il faut les soutenir au moins moralement, ce qu'on fera bien entendu. On l'a déjà fait par écrit, mais vous savez, maintenant, écrire, faire des communiqués, c'est tellement petit par rapport à ce qu'ils vivent, eux, sur place, oui. que nous avons à peine le courage de le faire, parce qu'il n'est pas question que ça soit compris comme juste une récupération. Gaza pose pour nous un problème existentiel, en fait, et ce n'est pas les petites communautés qui résoudront ce problème. Oui, mais justement, Souyane Djilali, et ce n'est pas en demandant par écrit de tenir une manifestation au régime que c'est forcé la main. Il y a une réelle aspiration du peuple algérien à marcher, à manifester son soutien au Razaoui. Ce régime, l'on empêche. On fera convergence avec d'autres mouvements sur le terrain directement. Ça, il n'y a plus à demander aucune autorisation à ce sujet. Eh ben, voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire. C'est ce que tous les Algériens... Oui, c'est clair. Voilà. De toute façon, vous savez, maintenant, le pouvoir algérien se cache comme quelqu'un qui se sent coupable. Ils sont coupables de ne pas aider la Palestine. Ils sont coupables... Oui. dans leur retranchement. Ils sont coupables dans leur soutien direct maintenant au régime égyptien. On a l'impression que le régime de Bouteflika veut s'appuyer sur M. Sisi parce que lui, il n'a pas le courage de parler. Le pouvoir en Algérie est vide maintenant. Il y a une vacation. On se demande qu'est-ce que c'est M. Bouteflika. Qui est-il devenu pour les Algériens? Un fantôme. Pendant que l'Algérie a besoin... D'un pouvoir qui la représente, qui la défend, qui défend aussi nos frères en Palestine. Nous avons un pouvoir qui se cache, qui fait les contrats derrière le dos du peuple et qui, au dernier moment, fait semblant de s'occuper de faire une manifestation avec ses sbires habituels. C'est une honte pour eux. C'est une honte et il est difficile. On se sent humilié. On se sent humilié par ce comportement de pleutre et de lâcheté. Merci, restez avec nous, Souyane Djilali. Lila, merci d'être avec nous. Vous êtes une fonctionnaire franco-algérienne, vous vivez à Paris, vous nous avez dit que vous êtes de toutes les manifestations pour la Palestine. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot d'abord au sujet de la réaction de Madame Dati Rachida? Alors, Madame Rachida Dati, donc elle était ministre avant sous Sarkozy la justice. Ministre de la justice. Maintenant, elle est maire de la mairie du 7e arrondissement et elle refuse tout simplement que la manifestation passe par son arrondissement. Voilà, donc c'est totalement hypocrite quand on sait que d'un autre côté. Elle accuse le président François Hollande, enfin le son ministre Manuel Valls, d'avoir interdit des manifestations. Elle lui reproche de diviser le peuple français, mais elle ne veut pas, en revanche, que les manifestants traversent son arrondissement. Oui. Donc aucun soutien pour les pro-palestiniens. Et voilà, c'est quand même affligeant qu'on ne puisse pas librement afficher nos revendications et dire notre colère, quoi, parce que c'est quand même grave ce qui se passe là-bas, et ici en France on peut pas afficher clairement ce qu'on pense. Il y a des manifestations qui ont été interdites et voilà, quoi. Dites-moi Lila, moi il y a une chose qui m'étonne énormément, que en France c'est un pays qui se dit laïque, c'est son droit bien sûr, oui. Dont les fondements sont la laïcité. Ils ont déclaré de façon très sereine que la France étant un pays laïque, ils n'acceptent de personne, qu'ils affichent ostensiblement par ses attributs vestimentaires ou autres son appartenance religieuse dans les établissements publics. Or, moi ce qui m'a vraiment étonné, j'aimerais vous poser cette question,
On a vu M. Hollande, qui a lui-même une institution, qui est le président de la République, oui. Et on a vu M. Valls, qui est le Premier ministre, tous les deux mettre des kippas dans des établissements publics. Et la kippa est connue pour étant un attribut vestimentaire typiquement religieux. Mais vous savez, moi je pense que cette loi, en fait, elle est surtout dirigée contre le musulman, en fait, tout simplement, pour pas qu'on puisse porter le voile et qu'on puisse vivre notre religion librement, en fait. Je pense que c'est surtout dirigé contre nous. On est dirigé, je pense, par un État, pas par un gouvernement sioniste, faut dire ce qu'il y a. Parce que quand on voit que les manifestations vont être interdites, faut dire, faut appeler un chien, quoi. Oui, mais pourquoi ne pas s'assumer ? À la limite, ils disent, écoutez, les musulmans, vous nous pompez l'air, s'il vous plaît, rentrez chez vous, on ne veut plus de vous, nous, on est... Ah bah parce que je pense qu'ils prennent une guerre civile, ils ne pourraient, pourraient pas le dire de façon évidente, parce qu'ils savent très bien qu'ils courraient le risque d'une guerre civile sur leur territoire, et ce n'est pas ce qu'ils veulent. Mais c'est là où ils risquent... dans un État laïque et que... Mais c'est là où Excusez-moi, Lila. C'est là où ça devient une provocation intolérable, parce que vous veniez me dire, vous, ne portez pas le voile, etc., et que moi, à la limite, il aurait toléré le port de la kippa pour les uns et pas le voile pour les autres, on aurait dit, bon, c'est un parti pris. Mais que lui-même, le président, il met la kippa, c'est incroyable. Alors là, le problème existe de façon fantôme, je dirais. Et on ne peut pas en débattre, parce que si vous voulez dire que les lois ne sont pas justes, ils vont vous dire « mais non, vous êtes complètement paranoïaque, c'est faux ». Et c'est là que ça devient frustrant et que ça crée une rage à l'intérieur, en fait. Parce qu'on sait qu'on est discriminé, qu'on est montré du doigt, oui. Mais ils ne veulent pas l'assumer. Oui. On est tous pareils devant les lois, alors que c'est faux, on le sait. Alors, c'est l'occasion de le leur dire, Lila, vous êtes en antenne, dites-le leur, s'il vous plaît. Dites-leur de respecter leurs citoyens de la même manière et de respecter leurs propres lois et leurs propres principes. Hollande, je les appelle à respecter les citoyens et une bonne fois pour toutes comprendre que tous les musulmans ne sont pas des terroristes et qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Bien sûr que je lance un appel, mais encore, faut-il qu'ils l'écoutent et qu'ils l'entendent. Merci beaucoup, Lila, ils en espérant... Ils veulent l'entendre, parce qu'ils entendent, mais ils veulent pas accepter. Ils ferment les yeux, c'est comme les trois singes, en fait. Ils ferment les yeux, ils bouchent les oreilles et ils ferment la bouche. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Lila, en espérant vous revoir bientôt. Je reviens à Sofiane Gilali. Vous avez entendu parler de ces victimes algériennes, de père algérien et de mère palestinienne, ou à l'inverse? Oui, avec un enfant de 3 ans qui a été tué sur place. Oui. Bon, écoutez, vous savez, on peut très bien maintenant se plaindre aussi, lancer un coup de cœur. On peut faire tout ça. Oui. Mais en tant que politique, oui. Il faut revenir aux raisons essentielles de ce drame que vivent les Palestiniens. Le fond du problème aujourd'hui est que le monde arabe est complètement divisé, qu'il vit ses contradictions. Vous avez des luttes idéologiques et des luttes de pouvoir à l'intérieur de l'espace arabo-islamique. C'est cela la raison essentielle de notre échec collectif. Lorsque vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite ou comme l'Égypte qui mènent une guerre totale au courant des frères musulmans, ce qui peut éventuellement se comprendre un peu en Égypte, puisque l'armée étant plutôt laïque et qui ne veut pas de mouvement religieux, est un peu plus étonnant pour l'Arabie saoudite qui, elle, prône le wahhabisme et le salafisme de façon extrême, et qui lutte contre un mouvement qu'elle avait tant chéri par le passé. Et puis, ces pays du Golfe divisés, d'un côté le Qatar, peut-être en alliance avec la Turquie maintenant, Et ce qui se passe en Syrie avec Daesh, avec l'État islamique ou le califat, c'est un mélange incroyable, explosif entre le premier siècle de l'Égypte et le 21e siècle que nous vivons. Oui. Ça, le monde arabe est fautif. C'est lui qui prête le flanc, c'est lui qui n'a plus de repères, c'est lui qui ne comprend pas ce qu'est la religion,
c'est lui qui n'arrive pas à assumer un développement harmonieux. Nous avons une ligue arabe qui ne sert plus à rien. À l'occasion, moi je dis, l'Algérie n'a plus rien à faire dans mais, cette ligue. Mais Sofiane Gilali, contre les uns et les autres. Sofiane Gilali, c'est peut-être tout simplement parce que la nation arabe est une entité virtuelle, qu'elle n'existe que dans le mot, dans l'avatar. Il ne faut pas maintenant qu'on... Moi, je n'appelle pas à une nation arabe, il ne s'agit pas de cela. Mais nous sommes tout de même des populations qui avons énormément de points de concordance. Il y a la langue, bien évidemment, il y a la religion, il y a l'histoire, etc. Les peuples, peut-être. Mais il faut défendre un minimum de choses. Et dans le cas spécial de la Palestine, c'est un problème très profond qui réunit trois religions monothéistes. Les trois religions monothéistes. Et qui est explosif dans le sens où il était à l'origine, à la source de ce monothéisme. Et c'est un peuple arabe aussi et un peuple voisin qui subit une injustice extrêmement grave. Les Juifs ont subi cette injustice, mais en Europe, du fait des Européens. Et aujourd'hui, c'est aux Arabes de Palestine de payer les erreurs des Européens. Exactement. C'est tout de même très grossier comme manœuvre. Et ça, c'est en grande partie la faute des politiques arabes. Absolument, absolument. Mais sinon, Sofiane Gilali, pour conclure, donc, comment voyez-vous le soutien que la rue devra apporter, la rue algérienne devra apporter à la cause de Gaza? Je pense que pour le moral des Gazaouis, c'est très important de les soutenir. D'ailleurs, on voit autant les régimes qui se cachent parce qu'ils ont besoin du soutien occidental en général et même sioniste, autant les peuples réagissent sainement. Vous savez, il y a une très profonde solidarité entre les populations, en tout cas en Algérie, on le ressent très fortement avec ce qui se passe à Gaza. On le voit par exemple lors de tous les matchs de football internationaux, l'emblème palestinien est porté par les supporters algériens. Mais est-ce que vous allez forcer la main énormément de choses. Est-ce que vous allez forcer la main en tout cas, les Gazaouis ont démontré une bravoure et un courage extraordinaire, et ce qu'ils sont en train de faire est quelque chose aussi de fabuleux. Ils ont inversé le rapport de force et aujourd'hui ce sont les Israéliens qui sont dans le doute. C'est ce qu'on voit, le changement de position, y compris de M. Fabius, qui change carrément de ton. Ça, c'est grâce à l'œuvre, des militants de la cause palestinienne qui sont sur le terrain, qui ont offert leur Sofiane vie, Gilali, qui se sacrifient. Sofiane Gilali, il nous reste 30 secondes. Dites-nous si vous allez forcer la main au régime pour appeler à une marche de soutien pour le peuple de Gaza, pour le peuple palestinien, pardon. On doit le faire, c'est de notre devoir et on le fera. Très, très bien. Je vous remercie, Sofiane Gilali, en espérant vous revoir bientôt dans nos émissions. Cette émission est maintenant terminée. Nous continuerons d'apporter notre soutien à Gaza et d'informer sur ce qui s'y passe. Salam alaikum, azul vallahu wa nsahaf torkum.